Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Immersive TV, je suis Mutsu, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de nos aventures sur Alemia. Je voulais vous faire une description des métiers dans ce deuxième épisode pour commencer, sauf que je pense que c'est pas encore intelligent de le faire maintenant. On va par contre découvrir déjà un premier métier, le métier de forge, mais vous verrez que tout va être ensuite articulé autour de ces fameux métiers, vous allez les débloquer. Vous pouvez tous les débloquer en PVE, il y a des restrictions en roleplay évidemment. Vous verrez que donc tout est articulé autour de ces métiers, puisque chaque métier va vous apprendre une table de fabrication et une rune. La table de fabrication à l'intérieur desquelles se trouvent les engrammes liés à ce métier, okay, et les runes qui permettent d'alimenter les tables. Aujourd'hui, nous, dans cet épisode, on va commencer rapidement par la découverte donc, du métier de tout le forgeur. Je ne sais plus quel est le nom exact, mais en tout cas, celui qui fabrique des outils. Et je trouve ça absolument génial, vous allez le voir en vidéo, et puis ensuite on continuera notre aventure. Allez, c'est parti pour les aventures de l'équipe sur Alemia. Alors, c'est assez intéressant parce que Necro, tout à l'heure tu me disais donc, ah bah tu l'as fait, t'as commencé. J'ai fait, ouais, alors en fait tu commences par l'établi, alors là t'es dans la forge, en fait tu commences par l'établi, une fois que t'as appris le métier de tool worker, ouais. L'établi. Okay. Et ensuite, dans le dossier smelting, il y a une première forge que tu peux faire. La forge classique. Classique, ok. Forge normale, que j'ai faite ici, ok. Mm-hmm. Ensuite, on est allé farmer du métal. Et là, le métal, déjà, il a différents états. T'as du métal quand tu le... ça, j'aime bien le principe, ça ouais. Ça va donner des lingots chauds qui vont refroidir. Mm-hmm. Donc à partir des lingots froids, tu peux fabriquer certains trucs, et à partir des lingots chauds, tu peux fabriquer d'autres trucs. Mm-hmm. Quand tu prends des lingots froids, que tu les remets dans la forge, et ben ça redevient du lingot chaud, et... Le lingot chaud, quand tu le prends dans la forge, il va refroidir doucement, et quand tu l'as sur toi, il va refroidir beaucoup plus vite. Ouais, je là, vois. Par exemple, tu vois, on a par exemple 17 lingots chauds. On peut fabriquer alors différentes têtes d'outils, la hache, la pioche. Ouais, bah vas-y, on peut en lancer une là. Ouais, tu peux lancer une. On fait quoi? On fait une petite pioche pour miner plus de métal efficacement? On a déjà deux pioches, mais on peut en refaire une. Hein. On a assez de métal. Ouais, vas-y alors. Parfait. Donc là, je fais une tête de pioche, très bien. Ouais, ok. Attention, ensuite, faut pas toucher avec les mains, on va se brûler sinon. Ensuite, dans l'atelier, il y a un marteau que tu peux aller récupérer. Ouais, ok. Ok, tu récupères le marteau. Ok. Ensuite, tu prends la tête de pioche et tu la mets sur l'enclume. Ah oui, l'enclume ne fait pas partie de ça, ouais, ok. Est-ce qu'elle est terminée? Yes. Ah, et ça se périme. Une fois que ça se périme, il se passe quoi? Je détruis. Je suis pas encore, je l'ai pas encore laissé se périmer, je l'ai frappé. Alors là, il faut la frapper une dizaine de fois. Je fais quoi? Je tape là? Ah, tu la mises dessus? Ah non, comment je fais? Non, il faut. En fait, tu la prends. Soit tu la dans l'inventaire, tu fais placer, ou alors tu la mets dans ta toolbar. Je fais. Il faut que tu la vois en orange sur l'enclume. Oh putain, c'est génial. Et ok. Et là, tu peux frapper. Je descends ses PV jusqu'en bas, c'est ça? Ouais. Et l'enclume là, l'enclume tu vois, elle prend des dégâts quand tu fais ça. Ouais, logique. C'est normal, hein, l'enclume elle s'use. Et ouais. Il va falloir recrafter des enclumes au fur et à mesure. On peut les réparer sinon. Et c'est bon là, vas-y, mets-la à zéro ta tête de pioche là. Bah elle est à zéro. Non, vas-y encore. Ah ok. Crafted Iron Pickaxe Head. C'est génial. Et ce système est trop bien. Voilà. Et ensuite, bah, il faut la remettre là-dedans. Ensuite, dans Arme, tu peux avec du bois et 10 de peau crafter ensuite la pioche. Mais il faut activer l'atelier avec une rune. Et la rune, ça coûte un peu de ressources aussi. Et elle dure environ 2 minutes. J'ai pas trop d'accord. Quoi, ce truc. Mais bon, après, il y a la rune. En fait, tu vois, quand tu débloques un métier, t'as l'atelier et la rune qui va. Ouais, ok. Et à chaque fois que tu veux utiliser l'atelier, t'es obligé de déposer une rune dedans qui active pendant 2 minutes environ. Ok, donc là, si je veux faire la pioche, je pourrais pas. Si, vas-y, fais-la. Tu récupères un peu de peau, un de bois pour la. Ouais, c'est bon, mais je peux pas. Craft remaining 19998. Non, attends, t'as fait la rune déjà sur toi? Ah, négatif, ouais, donc c'est bien ça, il faut que je fasse la rune du coup. Sur toi, tu dois faire la rune, ça va te coûter. C'est laquelle du coup? C'est celle avec les outils. Toolworker rune. La fibre, du métal et de la pierre, ok. Tac. Ensuite, une fois que tu l'as faite, tu la déposes dans l'atelier et l'atelier sera actif pendant 2 minutes. La fibre et un peu de pierre. On a plus de pierre, je crois. Et la pierre, on a mis la pierre. Il doit en rester. Enfin, ah oui, elle est là-bas. Ouais, d'accord, ok.
Tu as vu, Vixi, un peu comment ça fonctionnait? Ouais, j'ai vu. C'est génial, hein? Ouais, c'est sympa, hein, comme principe. Tool Worker Rune. Comme ça pour tout... Alors là, pour l'instant, ça c'est ce qu'on a vu pour le métal, et vraiment les autres, on n'a pas trop essayé. Tous les métiers ne sont pas complets encore. Hein. Je me souviens plus de quels sont les métiers qui sont terminés, mais ils sont pas tous terminés. En tout cas, pour le Tool Worker, on est déjà pas mal en termes d'outils, on peut déjà quasiment tout faire. Bon, après, ce sera le même dedans. Principe pour les armes. Hein, quand on va vouloir faire une épée, une lance, une arbalète, ce sera le même principe. Ouais, ok. Sauf que ce sera dans un autre établi à partir d'un autre métier. Ok. En tout cas, j'ai mis dedans, effectivement, et là ça fonctionne. Il n'y a rien qui nous dit du coup. Ah oui, si, il a une aura, mais on ne sait pas combien de temps ça dure. Ouais. 2 minutes, à un moment, il y a marqué. Ah oui, need fuel to work, tool worker, rune, power the workbench for 120 secondes. Donc ça le, effectivement, comme tu disais, ça l'alimente pendant 120 secondes. Ouais. Ok. Bah, du coup, peut-être qu'il faut check autour du rune master, qui pourra peut-être créer des runes. Améliorer les runes, ouais. Et ouais, c'est ça. Du coup, les copains, je vais vous poser des pancartes derrière chaque table. Est-ce que vous pourriez vous décaler un petit peu, s'il vous plaît, Marie, Indémion ? Merci. Donc ici, de conservation, je suis... Rune Master. Terence, tu te posais la question, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut, du coup. Merci. Après, il faut comprendre à quoi ça sert, quoi. Oh, bon, ça, je vais pas te faire un pancarte avec écrit « Alors, ça, tu peux faire ça ». Je sais pas, je vois des patates à l'intérieur, alors je pose des questions. Autonome, William. Ça, c'est Tool Worker, c'est ça le nom? Ouais, je crois que c'est ça. Ça. Elle est où la machine à café? Tool Worker. Et t'as les trucs de Neuf. Et ça, c'est Neuf. Bon, elle fait. Oui, c'est les Neuf ici. C'est Breeder. Ah oui, ça Breeder. C'est Breeder. Neuf. 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 Nounouf. Des breeders de neuf. Ok, il y en a un autre ? Non, c'est tout ce qu'il y a. Pardon, Marie. Qu'est-ce que vous avez cassé ma pancarte ? Je vais vous casser la figure. Comme dans la vraie vie, c'est t'es passé à gauche, à droite. Oh, il a cassé les feux de camp ! Il a tout cassé ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est fada ! Il a besoin de place là dehors. Il est fada ! Il casse tout ! Il faut de la place ! Il casse tout ! Ça coûte cher tout ça! Allez, c'est parti! En route! Allez, messieurs, dames, on vous suit. Il est où, Nécrotte? Je remonte. À mon avis, il est passé par là, du coup. Je suis parti, je suis descendu de la maison, après je suis parti un peu sur la gauche. Vers le... t'es parti à gauche? Vers le deuxième gisement de métal qu'on a fermé juste à l'instant? Ou de l'autre côté? Là, on part à droite, hein? Ouais. Non, mais c'est par là, du coup, qu'il est parti. Venez. Suivez-moi. Le guide. Alors, je suis devant la maison, en bas, au pied de la maison. Là. Suivez le guide. C'est bon, toi. Tu peux descendre. Hello. Oui, c'est vrai qu'il faut pas courir, parce que sinon on va mourir. J'ai plus d'eau. Hein. Je vais mourir de soif avant d'arriver au marais. Tu veux ma gourde? Alors, si quelqu'un voit quelque chose de, oh, c'est bon, de dangereux, oh, tu passes devant, William. Ah, le danger. Je me ris du danger. Du coup, là, l'objectif, ce serait quoi? De trouver des légumes, c'est ça? Alors, les carottes, je sais où les trouver, moi, déjà. Et on fait quoi? On fait un écus? Et après, ben, les écus, par contre, je sais pas. En passant par le marais, on va aussi récupérer du ciment. Il y a des beaux mégatériums, là, sur le côté, là. Un cheval! J'arrive, les copains, j'arrive. Vas-y. Viens faire le cheval. Marie, on sait pas, on est parti sans toi, mais on n'est pas très loin. On savait pas où tu étais. Le jeu me dit que je sens un petit vent sympathique me chatouiller les narines. Ouais. Ah ouais, t'es sûr que c'est que les narines? Écoute, ouais, pour le moment, c'est les narines. C'est quoi ça? Ça se loot? Simplement des pierres. Tu sais par où on est parti, Marie? Oui, le mégatarium, je vois. Tout droit, okay. Tu vas à la maison tout droit. Moi je suis à côté du paracer là, il y a deux paracer. Non, il y a un paracer, je suis à côté du paracer. J'ai vu tout à l'heure. Vous savez qu'on va choper des maladies à patauger dans le marais. Quoi? Ah bah, c'est sûr. Ok. Vous voyez les copains? Oui, vas-y, viens. J'arrive les copains. Vas-y, cours. Vas-y. Dépêche-toi. Et là, il y a un gros sarco qui passe et froid. Elle se fait bouffer si c'est mon jeu. Qui a l'air d'un malibu là en fait. Ah oui, c'est mes DMCA. Oh là là.
Ça, c'est pas un bruit de Marie, ça. Bonjour. Salut. Mais bon, vous pouvez partir. Aïe. C'est quoi? Il y a un bruit, mais je vois rien. Au secours. Ouais. On se fait attaquer. On se fait attaquer par un truc invisible, les amis. Hein. Oh, y'a un bébé, y'a une petite bébé tortue. Oh, y'a un banc de tortues. Faites gaffe, je crois qu'elles viennent vous manger. Je pense, ouais. Oh, y'a une qui veut nous. Je pense que les tortues viennent pour vous, hein. Comment on fait pour la choper? Je veux la choper. Elles sont en train de se battre avec quelque chose déjà. Avec vous. Y'a des patates. Bah, regarde maintenant. Y'a des patates. On tue pas les tortues, on est d'accord. Ah non, c'est des patates. Ça a tellement de PV de toute façon. Fais gaffe, Pixie. Je m'avais tapé. Même dans Arc Normal. Ah mon dieu, il y a toute la famille. Ah non, mais c'est Franklin, son cousin. Oh putain. Combien il y en a? Aïe. Elles sont en train de bouffer les patates. Bon, on s'en fout, elles vont nous bouffer nous si on reste là. Il faut partir. Oh, j'ai accro les 10 mètres d'onde. Allô? Oui. Vous êtes où? J'essaie de ramasser. De l'autre côté les de l'eau, patates. De l'autre côté de traverse. Mais elles attaquent les choses, les tortues là, mais je vois pas quoi. Oui, bah tant mieux. Et Sprite avec les dimétrodons, il y a des dimétrodons, il y a des tortues de partout. Il faut les poules les uns sur les autres là. Il faut partir. Oh, les si patates. Marie continue à avancer là. Ah non, c'est pas des patates. J'arrive pas à ramasser les patates. Les patates, on s'en fout. Hé hey, mon ami, tu aimes les grosses patates? Butsu, il est parti tout seul devant, hein. Là vous pas du tout. Derrière. Pas du tout. Je suis avec William. Les patates au péril de ma vie, c'est bon, j'ai tout eu. Oh là là. Ah, elle mange des poissons, les tortues, j'ai jamais vu ça, tiens. C'est bon? On les a les patates? Ouais, c'est bon, on a les patates. Il y a une armée de dimétrodons qui arrive, c'est chaud. Oui, je les ai au cul, les dimétrodons. C'est chaud. Devant aussi. Oh, il y a du pétrole là. Oh, il y a du pétrole là dans l'eau. Ça va, pour l'instant, ils sont méchants, mais ils sont tous lents, on peut tous... Même sans courir, je leur échappe, donc... J'ai des nids à castor, vraiment. T'es sûr? C'est ça. Oui, là, je suis sûr de sûr. C'est pas le dos d'une horrible créature qui va nous manger? Oh, y'a des nids. Des nids à castor-tue, ouais. Oh, y'a un œuf. Oh. Ramasse pas. Oh là là. Pourquoi? On sait pas encore à qui ça appartient. Dimétrodon, si, vas-y. Allez, hop. Oh. Y'a plus que du bois dedans. Oh. Si, c'est ah, y'a du ciment. C'est bon, j'ai ramassé ciment. Le bois, on n'a pas de bois. Oh, mais c'est qui le porte? C'est lourd. Oh, c'est très lourd. Tout ce qu'il y a. Oh la vache. Moi je prends un stack et c'est tout. Hein. Moi aussi. Vraiment, vous voulez prendre du. Ah, oh, ouais, moi je peux pas. C'est mort. Ah, ouais, je peux pas non plus. Hein. Allez, oh, je peux en prendre un peu, mais. Pétez le nid par contre. Si... Non, laisse-le, on reviendra chercher le bois qui reste. Hein. Quand? Ben. Y'a plein de nids. Il y a un Tyrannosaurus Rex. On va pas revenir jusqu'ici chercher du bois. Ah, dans la direction où je regarde. Ah oui. Ah ouais, je le vois. Il nous regarde pas. Non, ben c'est très bien du coup. Allez. Ouais. Sérieux, il y a vraiment des un Rex? Oui. Non, je veux le voir. Bah, là où il y a des narcos les gars. Oh, ils sont jolis ces plantes là. Eh ben, c'est il faut ramasser ça. Il y a des narcos. Il est loin. Faut ramasser tout ça. Il y a notre maison. En loin, il y a un. J'ai un doute. Ah, mais il arrive, il rapproche. Que je teste. Attends, on va voir le combat. On va aller voir le combat. Oh merde. Oh là là. On peut. On... Si vous voulez, on peut tenter un truc, hein, mais. Cachez-vous. Je vais aller sur les paracères. Il y a un carnot devant aussi. Hein. On va être. Ça va être galère là, à passer. Hein. Attention, le paracère. One we one. Moi, je vise sur les. Je mise sur les autres. Ah, non, oh là là. Attention. Le carnot, il est en sang, non? Ouais, le carnot, ouais, par contre, il est pas bien. Mais restez pas trop au niveau des paracères parce que le Rex il court 100 fois plus vite que nous, hein, quoi qu'il arrive. Le carnot, mais il le Rex il fait demi-tour de toute façon là. Il est parti au loin. Quelqu'un a des flèches pour faire le carnot? Ouais, vas-y, j'ai des flèches. Moi, j'ai pas. Non, mais si t'es le seul, dessous, ça sert à rien. Mais je vais me planquer dans les paracères. Fais gaffe que c'est pas les paracères qui t'attaquent. Non, c'est gentil ça. Je dirais, il y a leur bébé donc. Tout est méchant, même les stégos, tu t'approches à 3 mètres 2, ils t'en veulent. Genre vraiment? Ah, oui! Ouais. Oh, je l'ai touché! Je l'ai touché! Tiens, il fuit! Comment ça, il fuit? Vite! On se le fuit! Il a peur de moi! Toi? On peut le goulash ou pas? Je pense pas.
Il court plus vite que nous, le con. Hein. Ouais, c'est pas grave. Oh, il revient. Oh, il charge. Il y a un truc qui fait du bruit. Oh, merde. Toi et lui. Oh, j'arrive. Ah, bien joué. Ah, bien joué. Ah, j'ai pris bon d'XP. Hein. Moi, j'ai pris un. Bah voilà, c'est nickel ça. Bah ouais, on a eu ce qu'on voulait. C'est nickel. Ça m'a filé quasiment un level complet quoi. C'est ouf. J'en ai tamé les autruches là-bas. Pas les autruches, les galipidis. Bah ouais, ça va super vite, c'est Gaiminus. Ça court super vite. C'est encore mieux qu'un poney ce truc là. Ça va super vite. Tu veux me montrer, Vexi? Alors, parce que là, si je le pose, je sais pas si tu peux le récupérer. Vas-y, pose-le, on verra bien. Hein. Bah, pire, il est perdu. Faut qu'on teste. Ah non, ouais, stocker vos objets ici. Ouais, c'est un machin de stockage. Bah vas-y, ramasse-le, du coup. Non, il y a une maison là-haut. Tu sais, c'est des sacs, on pourra les empiler ou... Elles attaquent pas, Galéminus. Ouais, t'es gentil, toi. Ouais, t'es gentil. Ah, j'ai passé en gros à Luville. Un Luville? Oui. Un Luville. Un Luvillup? J'ai Luvillup. Oh, mais il y a une sacrée baraque là-haut, dis donc. Ouais. Ah, ouais, il y a des gens qui se sont. Ah ouais? Je vois des poneys, je vois les poneys. Ouais, mais on a pas les carottes. On a que des patates. Ouais, mais au moins on sait où ils sont. Ouais, mais bon, elles sont où les carottes? Normalement, les animaux vivent là où ils sont censés manger. Très doucement, alors on a fait la moitié du chemin seulement pour arriver au carreau. C'est tout. C'est déjà ah ouais, on s'arrête pour tout et n'importe quoi. Eh ben, c'est normal, on découvre. Hein. Si vous aimez pas vous arrêter, il faut pas faire des randonnées. Hein. Oh là là, petit poney. Là, à droite, c'est une ils sont où les poneys? Ouais, là, à ta gauche. Regarde, il y a un poney à gauche. Oh, il y en a plusieurs, il y en a trois. Là, tu vois pas? En face. Ah oui, là-bas, il y a un poney. Moi, j'ai un... Oh, là-bas, il y en a un tout blanc. Ah, par contre, oh, il est trop beau. Les castors, pour l'instant, ils ont pas été méchants. Donc, je peux tester, au pire. Ah non, oh, le petit poney. Ah ouais, il y a plein de nids de castors, là. Hop. C'est l'arbre mana. Il est... Mais... Incroyable. Ah. Non, c'est tout. Non, attends, je t'avais pas vu. Voilà. La fille. Du coup, on en a tous chacun un là. Bah ouais. C'est des magiques in the air. Allez. Ok. Du coup, il y a peut-être des. Les carottes sont au pied des gros arbres. Les carottes sont cuites. Il y a peut-être des actions spécifiques à faire. Avec les magiques in the air. Ouais, tu sais que selon où tu te trouves. Il y a peut-être des... Oh, des dodos. On les bute. Attends, ah oui. Il y a un passage ici, Mutsu. On prend les plumes, on prend tout. Un passage dans l'arbre? Ah ouais. Vas-y, attends, j'arrive. J'ai repéré un truc bizarre, je vais voir ce que c'est, j'arrive. Ça pas pour faire une maison ici. C'est juste de la fibre. Ah oui, d'accord, c'est... on est sous l'arbre, mais il n'y a rien de... Ouais, ok. Bon, y a rien de vrai, j'ai pas de métal ou de. Hein. Bon, je vois rien. Pour l'instant, je vois pas d'ennemis en vue. Ok. Je vois pas d'ennemis, tant mieux. Ils sont où les autres zigotos là? Eh ben, je sais pas, moi je vous cherche. On est aux gros arbres. Ouais, on vous voit, on est au-dessus à l'arbre. Ah merde, je me suis mis un bandage. Plein de dodo. Ah oui. Venez, y a plein de dodos à buter là. Parce que par là, il peut y avoir des raptors. C'est que je me suis dit aussi. Bah, on a des bolasses. Moi je peux pas les poser, je peux pas les déposer moi. Ah, je le dodo il a fait. Eh mais va les retrouver après sous les herbes hautes là. Ok, il est là. Je suis là aussi. Ouais. Branche le casque.
c'est celui-là? C'était le roi des dodos. Ok, je cours avec les bolasses dans les mains. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, mais le problème qu'il y a, c'est que quand il y a des raptors, ils sont par 7, 7, 8, 9. Combien? Alors, moi, quand même. J'ai jamais croisé des packs aussi grands, les raptors. C'était surtout 2 ou 3, pas plus. Et souvent, même, ils étaient seuls. Et arrêtez, c'était corrigé, mais la dernière fois, c'était. Ah, il y a une maison là-bas. Oui. On peut peut-être demander le gîte. Où ça? Ah, où ça? Il y a des carottes. Ah, à quoi voilà. Ça ressemble? Bah... Ah bah des carottes. Ah c'est ça, d'accord. Ah des carottes. Super. Effectivement, c'est un bon skin de carottes. Hein. Bah, servez-vous. Hein. Ah toi c'est juste les patates du coup. Non, mais après il faut que quelqu'un puisse aussi tamer un écus. Là il faut qu'on retourne à l'écus. Ouais, j'y vais le faire. Bah, d'ailleurs. Avant que les carottes ne... Avant que les carottes soient cuites. Du coup il faut réunir toutes les carottes aussi, c'est pareil. Oui. Okay. Bah, je veux bien les carottes s'il vous plaît. Tiens, Mucho. Hop. Attendez. Vraiment beaucoup hein, les carottes quand. Hop. Ok. Et Nécro, elles sont où tes carottes? C'est bon, il les avait données. Tu les as récupérées, Vixie, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, bah il faut retourner à l'écus, ça. Bah allez. Bah c'est parti. On fait demi-tour, la troupe. J'en ai 30. Ok. Ça devrait suffire. Prendre un écus bas level. Tu me diras si le timing il est en 0,5, c'est compliqué. J'ai pas vu les trucs de. Allez, vas-y, on croit en toi cette fois. Ils se sont fait une petite maison sympa hein, là, les gars. Hein. Il est beau en plus, il est beau. Les palissades et tout, c'est stylé. Hein. Oh, on va pas tout comme ça, nous aussi. Ouais, ça alors, il est où là en face. Avec le woodworker, là, le stoneworker, vas-y, avance. Tu fais pareil. Avance. Il doit être quelque. Ouais, il est là sur ta gauche. Attention, il est derrière le caillou. Ah, mais vous devez avoir un gamma aussi. Moi, je joue en gamma normal. Ah, bah, j'ai pas le choix là, hein. Sinon, je vois rien. Hein. Ah, oui, non, mais là, je vois rien du tout sinon aussi. Mais niveau 9. Tac. C'est bon, ouais, c'est ça. Il faut spammer E dès qu'il bouge en fait. Allez, vas-y, le premier. En fait, c'est pour ça, tu lui donnes une fois pour monter. Après, oui, il oui, le oui. Deuxième. Et après, t'as une certaine durée avant que. C'est bon, il s'est coincé en plus. On est bien là. 23% du coup, il est level 9. Ouais, il s'est décoincé. Oh, ici, il peut pas aller très très loin. Avec une carotte. Bah, il est coincé. Et bien, oui. C'est très bien. Mais je sais pas les levels qu'il a mis parce que. Oh là, il va loin là. Allez, oh adieu. Vache. Il part dans les stégos et tout le bordel. Mais non, c'est bon là, il est bien. T'es rien, mon petit cheval. À 30%, c'est très long. Vas-y, allez, adieu hein. Allez, bah nous on te suit de loin hein, mais on va essayer de suivre. Adieu les copains. C'est bon, il revient. Je ne vous oublierai allez, jamais. Chut, c'est rien mon petit cheval. 38. Tu pars sur la droite trop loin parce ça que. Ça va, ça monte, il mange vite. Ça va, ouais. Il mange souvent. Il y a des trissés et tout. J'ai trissé, c'est la première fois que j'en vois là. Ah, ils sont nombreux. Oui, oui, il y a du monde, oui. Ils sont pas gentils les trissés. Pas du tout. Putain, le cheval il est juste là, ce con. Non, cheval, non. Si. Ah, yiha, il y va. Ça va, j'ai l'impression que si je suis sur le cheval. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, oui, oui, ah, bah il est dedans là. Mais qu'est-ce que tu fais? Dans les beaux-shops, attends. C'est le moulon. Il est coincé. Au secours. Ah, tu repars. Non, t'es trop gars parce que eux, ils sont vraiment pas gentils. Ouais, c'est bien là. Ah, il y a du métal. Il y a du métal un peu plus haut. Dans mon dos là, il y a du métal. Okay. Ouais, mais moi je suis déjà très lourd alors. Ouais. Oui, moi aussi je suis full. Mais il est sneaky en plus, il est planqué hein. Après tu vas monter le level de tu connais. En plus Marie, c'est pas par là que je suis mort l'autre jour comme un. C'est là. Où tu fonces là ouais. C'est exactement là qu'il y a la mort. Ouais la mort. C'est dans un endroit où tu dois reculer très très vite et. Il y a des zones quand tu vas dedans. Ah oui, il faut des équipements spéciaux pour y aller je crois. Comme si c'était un peu genre de la radiation ou quelque chose dans ce genre. Ouais c'est ça.
Ah, il m'en reste 14. Venez, on fait un cercle, on le bloque, on le bloque. Allez, normalement, c'est la dernière. Oh bah, j'espère que la dernière, tu vas pas te coincer dans le tricé. Ouais, j'espère aussi. Là-bas, il y part, en plus. Oh là là. Écoute, attends, je suis là, je suis prêt à aller. Moutsou est mort. Allez, arrête de bouger, arrête de bouger. Oh mon dieu, ils sont tous sur toi. Cours. Oh la vache. Par, on te rejoindra. Ouais, je me casse moi. Il y a toute la famille. Oui, prends toute la famille. Oh la vache. C'est bon, ils sont plus focus. Ils m'ont lâché, c'est bon. Ouais. Oui, il y en a encore un quand même. Il y en a encore un qui est un peu vénère contre toi, mais il reste. Bon, venez, on passe par la falaise là à gauche. Repassez par derrière la base là et je vous retrouve. Refaites le chemin qu'on a fait, mais dans le sens inverse en fait. Ok, on remonte. Et je vous retrouve là. Oh, c'est cool, on a un cheval, les gars, super. Ouais. Yeah! Ah, trop bon. Oh là, Marie! Non, reste comme. Ouais! Tremblez les specs là. Oh là là! C'est sympa quand même parce que du coup c'est vrai que en fait les créatures qui étaient un peu insignifiantes, ouais, ça va les deux là. Elles reprennent une certaine importance. Du coup là on fait un cheval, on est content, tu vois. Donc c'est sympa. Tout devient pratique en fait. C'est sympa. C'est bon, vous avez fini ma tête de cul là. Oh les coquins. Non, on commence. Oh les coquins. Eh, du coup, on peut lui mettre les baies dans son inventaire, là, ça va spoil moins vite. Par contre, il farme pas. Il a combien de poids parce que tu voulais. Ah non, on en met à la base. Ouais, mais les patates, par contre, je vais pas lui donner, il va les bouffer. La vache, mais si tu mets pas le gamma, tu vois rien en fait. 385 de poids, ça va. C'est plus que nous. Bah, forcément. C'est mieux. Bon, c'est un mâle ou une femelle? Une femelle. Ça va, 385 de poids, c'est cool. Ok, bon, on le ramène à la maison. Bah ouais. Ah ouais. Mais ça serait bien qu'on trouve un mâle. Sécurisé. Ouais, hein. Ça serait bien qu'à un moment on trouve un mâle, ouais. Faut retourner chercher des patates. Des carottes. Des carottes. Oh, y'a un petit poney devant. Oh, il est trop beau. On dirait le poulain de. Comment s'appelle ce truc déjà là? Bien mocho. Ah ouais, attends, je voulais essayer de l'endormir. Mais c'est enfui. À 10 mètres d'eau. 10 mètres d'eau. Quel est ce bruit? Je sais pas. Il y a 10 mètres d'eau qui sont énervés. 10 mètres d'eau, ils sont sur le Moshop là. Faut pas tomber sur le Rex. Hein. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Tout le monde est là? Il n'y a pas Vixie, je crois. Ah si, elle est là. Si, et William, il est là? Ok, William est là. Allons-y, moussaillon! N'hésitez pas à ramasser des pierres et crafter des altars hein, régulièrement là. Et vous avez vu les. Elle est mort la queue! Pardon. Ça pèque tellement. Les. Ça là? J'ai l'impression que. Ouais, ça. Quoi ça? Ça là. Oh, y'a un truc qui est mort là, venez. Ah non, ils sont vivants. Ça nous donne la position de d'autres trucs. Enfin. Comme si c'était. Des espèces de collades là. Ouais, comme si c'était. C'est. Oula. Attention. Oh là. Ils arrivent tous en famille là. C'est quoi les commons des. Oh putain. Arrête, tu prends cher. Faut pas rester là. Pourquoi? Ah, il prend hyper cher. Bah il a 240 PV quoi. 249. Lui, le Rex il vient, il éternue sur le cheval, il n'y a plus de cheval. Il éternue sur le cheval quoi. Ah, tu sais, ça éternue les Rex des fois. Bah... Le Rex aussi ça peut prendre froid. Ah, oui hein. Exactement. Oh, maintenant que j'ai jeté tous les altars que j'ai craft, oh, je suis tellement plus rapide. Vous êtes où? Moi je suis derrière toi. Moi je suis dans les paracères. Je vois Pixie de loin.
Moi je suis derrière Marie. J'ai l'impression qu'on fait un petit train. Ah non, William il sait pas où il est. Mais ça c'est normal. Il y a un cheval devant, il y a un cheval blanc devant. Ouais, non, c'est bon. Oui, le cheval blanc c'est celui qu'on a raté tout à l'heure, mais selon son level. Là, sans déconner. Vous aurez clairement pas assez de carottes. Hein. Il est allé tellement loin. Bah non, je vois rien, mais c'est pas grave, je retournerai. Après, on a un voisin qui a un cheval, on peut peut-être lui demander. Hein. Si c'est une femelle. Nous, c'est quoi, nous? Une femelle, bah, si c'est un mâle, du coup. Crois. Si je le... Il y a trois pic-pic là-bas, ça m'intrigue. Si je le fais fuir vers Penou là... Oh, il y a des narcobéries ici. Eh, le cheval, il doit bien farmer aussi, Mutsu. Non, il farme rien. Quand je clique gauche dans les trucs, ça fait rien. Ok, je fais des narcobéries à la main. Narco, je pense que tu peux les faire, par contre. Parce que les plantes, toutes les plantes, elles donnent rien. Et les narco restent... Je pense que tout ce qui est un peu illogique, du style le fait que ton cheval avec tu puisses farmer des baies, tu peux pas le faire du coup. T'entends pas bien, William. Ouais, non, si c'est possible. Par contre, la bouffe, il va falloir faire de la paille pour le nourrir, je pense. Oui. On en a un peu à la base d'ailleurs. Je l'ai mise dans l'arbre. Tu m'as tellement piégé, Marie? Je pensais pas non plus que c'était un truc qui... Bah de toute façon c'est tout le long comme ça. Il y a envie de te dire... Donc vous voyez ces pylônes là, mm-hmm. On dirait qu'ils balisent un chemin en fait. Ouais. Une zone. Et je me dis que en les suivant, il y a peut-être moyen de trouver des lieux un peu spécifiques quoi. Ouais. Effectivement. Oui, c'est un bébé, il a des mini bras. On dirait un écran. J'avoue. Et qu'il a des gros bras mais des tout petites mains. Il a des gros plats, les gros poils aussi. Il revoit la maison. On voit la maison. Yes. Je ramasse des pierres et je pexe. Oh, nous aussi on pexe, hein, mais pourtant t'es loin, mais... Je sais pas si c'est un rapport. T'as vu devant quoi t'es passé? Ouais, mais c'est un bébé. Non, je parle pas de lui, moi. Je parle plutôt du gros singe, là. Oui, c'est... Attends, le gros... Mais c'est pas un gros singe, lui, c'est un bébé. Ouais, c'est un bébé, t'inquiète, hein. C'est un bébé singe, t'inquiète, tu vas vite les voir, les gros. Ah. Je vais... Ah, il est... Ouais, non, c'est un bébé, il fait ta taille, c'est normal. Ok, ça va. Tu flippes? Ouais, moi aussi. Je sais pas, je me sens pas en sécurité. Hey les gars, par contre, petite info. Si on est tous dans la maison, il faut pas qu'on se mette tous ici, hein, à cet endroit spécifique de la maison. Sinon, on la renverse, elle tombe, hein, je vous le dis. Marie, tu te mets de l'autre côté? Oh, mais t'es un bâtard! Moi, j'avoue que c'est pas très très sympa ça. T'es un méchant! Oh là là, tu mérites 12 coups de fouet! Bon, bah on l'a fait. On est arrivé jusqu'à la maison. On a découvert encore plein de trucs aujourd'hui et c'était super. Cette map est vraiment cool. N'oubliez pas, évidemment, comme d'habitude, si jamais vous voulez la tester de votre côté. Vous pouvez le faire et bien évidemment de votre côté sur une partie solo par exemple ou vous ouvrir un serveur, mais vous pouvez aussi rejoindre les serveurs communautaires. N'hésitez donc pas, toutes les infos sont dans la description. Merci d'avoir visionné cet épisode. Si vous souhaitez soutenir Immersive TV, petit pouce bleu, petit commentaire, éventuellement si vous avez des questions, abonnez-vous pour voir la suite des épisodes. Et ultimement, si vous en avez envie et la possibilité, vous pouvez aussi devenir sponsor de la chaîne pour avoir des petites émotes, des petites choses sympathiques et surtout soutenir du coup la chaîne. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cet épisode encore une fois. À très bientôt, c'était Mutsu et les copains sur Immersive TV sur Alemia. Salut.